comes falling into the room. The founder pounds and the lightning strikes. La crise sanitaire n'aura pas eu raison de battre au jazz. La 6e édition du festival s'est adaptée. Il y a des contraintes. On a à la fois attendu de savoir si tous nos artistes seraient disponibles. On a eu quelques défections, mais très peu. Et donc on va maintenir quasiment la programmation en l'état et on en est très content. Donc bien évidemment, on a développé un protocole sanitaire assez classique qui a été validé par la préfecture de Savoie. On a des accueillants qui sont évidemment masqués, qui amènent les personnes seules, en couple ou par groupe, à des endroits où justement après ils vont pouvoir s'asseoir et assister au festival. Pour le premier concert de ce festival itinérant, c'est au château de Mercora à Ruffieux que la scène a pris place. Au programme de concert, les sonorités blues de Kevin Denard. Et c'est vrai que jouer dans des endroits comme ça, ou dans des salles, ou dans des endroits un peu comme ici, ben, du coup, ça t'aide à l'inspiration, à t'évader dans tes notes, quoi. Et en deuxième partie, les Only Singer Box, déjà venus il y a quelques années. On était déjà venu il y a 3 ans, on était sur le bateau. Et puis ils ont eu peur qu'on se noie cette année, probablement, ou un truc comme ça. Donc ils nous ont confinés dans un magnifique lieu. Le château de Mercora. Le châtelain est extrêmement sympathique, ça donne aussi. Donc c'est parfait, on est dans un beau cadre. Un régal pour le public. Le cadre magnifique, hein, pas de soucis. Hein. Et puis un musicien exceptionnel quand même. On est envoûté par la musique, c'est génial. Comme je dis, j'invite plein de monde à venir et je pense, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner à d'autres concerts de cette manière. Donc là, on profite du cadre, on profite du concert à côté, non, tout est parfait. Et pour muscler l'offre de concerts jazz en Savoie, Bateau Jazz s'est associé au festival de jazz d'Albertville et à celui de Brive-les-Bains pour créer le Savoie Jazz Estival. C'est un collectif collaboratif. Hein, qui veut justement partager le réseau, partager les savoir-faire, partager les artistes. Moi, j'étais l'artiste, mais je ne vais pas le prendre. Est-ce que ce serait bien ? Ouais, d'accord, je vais le prendre. Bateau Jazz, c'est jusqu'au 6 septembre.